L'histoire commence quand la victime a 16 ans, elle est alors lycéenne. Chaque matin, elle prend le bus et fait la rencontre du chauffeur, son futur amant. L'homme marié entretiendra secrètement cette relation extra-conjugale jusqu'en 2006, quand en avril, sa maîtresse lui demande de choisir entre elle et son épouse tout juste au courant. Face à son refus, elle rompt. Quelques semaines plus tard, il se met à la harceler, verse de l'insecticide dans une bouteille d'eau pour l'empoisonner et après plusieurs menaces, tente de la tuer chez elle le 29 mai. Il a conscience qu'il a rendu malheureux tout le monde, d'abord cette jeune fille qui l'a blessée, avec qui il est obligé de rompre, et puis surtout et aussi sa femme et ses enfants qui subissent les conséquences de ce type d'acte. Dans le box des accusés, l'homme apparaît concentré, fatigué et les traits tirés. Comment expliquer que cet homme de 61 ans aujourd'hui ait pu commettre ces actes de violence, lui décrit par ses très nombreux amis et ses collègues comme agréable, gentil et serviable. Son entourage se dit stupéfait et cherche encore à comprendre. On a pu constater que Alain Moyer était quelqu'un qui avait une personnalité dont le profil se trouve à l'inverse des faits pour lesquels il était poursuivi, puisque âgé de 58 ans au moment des faits, on n'a jamais retrouvé le moindre geste de violence. De son côté, la victime, jeune femme d'une trentaine d'années, est effondrée. Elle n'acceptera jamais de regarder son agresseur en face. Elle sait qu'elle ne doit son salut qu'à sa défense, en détournant les tirs et à l'arrivée des gendarmes alors qu'il l'étranglait. Elle va toujours très mal. On m'a demandé qu'est-ce qu'elle attendait de ce procès. Eh bien, c'est rare, mais j'ai rarement vu une victime dire « j'attends rien ». Ce qui va être difficile, à mon sens, c'est de trouver la peine la plus adaptée afin que la victime sente que la justice est passée, que la société y trouve son compte, de même que l'accusé. Depuis 3 ans, la victime tente comme elle peut de se reconstruire, notamment à travers une nouvelle formation. Difficile quand on sait qu'elle dit elle-même « c'est moi la coupable, je n'aurais jamais dû ».